Le cahier des charges était relativement simple. On a réuni l'ensemble des constructeurs potentiels et on leur a décrit ce qu'était le groupe Avril et ce que nous voulions en faire. Fin du cahier des charges. Pour moi, l'architecture, c'est de déterminer l'élément essentiel à la commande. Et l'élément essentiel, il a été déterminé assez rapidement. Il a même été dessiné au moment d'une réunion, je me rappelle, dans laquelle l'ensemble des concurrents étaient présents. Et j'ai encore ce croquis. Le projet était dessiné au bout d'une demi-heure d'échange avec le groupe Avril. Cette idée immédiate part d'une inspiration, qui était l'inspiration du siège d'Apple aux États-Unis, bâtiment rond, siège social, avec beaucoup de communication autour du fait que le bâtiment est rond. Le comité de pilotage, qui comportait au maximum 70 personnes, de manière partagée, a choisi de retenir le bâtiment qui avait la forme permettant de travailler de manière fédérée et de se voir en permanence. On a un projet qui fait 84 mètres de diamètre. Donc c'est un rayon de 82 mètres, ce qui permet en 1 minute et 10 secondes d'aller à tout point à l'autre. Donc c'est-à-dire que l'idée de la proximité, dans ce paradoxe, dans un projet qui est composé de beaucoup d'acteurs, quoi. Quand on réalise le gros œuvre, on commence à percevoir ce rond parce que, en fait, on l'a vu assez vite, dès le sous-sol, on a vu que ça allait être un rond. Et je trouve que on l'a vu très longtemps sur le papier, pendant quasiment 2 ans, et le voir se concrétiser, c'était assez amusant. On a vécu dans nos bungalows de chantier entre moins 10 degrés et plus 40, et on a vraiment eu les plus 40. C'était de bons moments partagés, c'était difficile, mais c'était de bons moments partagés. Ouais, c'est vraiment un travail d'équipe. On a mis en œuvre pour la construction de ce bâtiment une innovation de structure à l'échelle du groupe qu'on a proposé au groupe Avril et qui a été acceptée, qui est une construction un peu hybride entre le métal et le béton. Et pour nous, ça a été un moment très important de tester en grandeur réelle cette innovation. Il y avait de l'impatience, puisque Jean-Paul Legendre nous avait dit « Tu verras François, en 18 mois, je te construis le site. » Et Legendre a tenu les délais, puisque en 18 mois, le site a été terminé. Il y a un moment déterminant dans le projet, c'est-à-dire qu'on le découvre, sa plastique ou sa géométrie, même des gens qui avaient découvert ce projet et qui découvrent la sensation de rentrer à l'intérieur de ce projet-là, de le découvrir. Au cœur de projet, il y a toujours un moment un peu déterminant, en tout cas un moment assez, un peu surprenant. On a organisé des visites pendant 6 mois. L'objectif était de voir, on a oublié quoi? Qu'est-ce que vous, collaborateurs, vous nous dites d'ajouter? Les plus grandes idées, ce sont les collaborateurs qui nous ont donné. Quand on fait de l'architecture, et quand on l'a fait de la manière dont on l'a fait pour d'abord pour les gens qui vont travailler, en tout cas utiliser ou exploiter, ou tout ce qu'on veut, enfin, c'est quand même c'est un lieu de vie. Comme d'habitude, à chaque fois que je passe à côté, et ça m'arrive souvent parce que je n'habite pas loin, je repense aux gens qui sont derrière ce projet, aussi bien interne du groupe, tous ceux qui ont été impliqués, que externe, et notamment le client et les collaborateurs du groupe Avril qui ont participé à ce projet. On a un gain énorme. On fait beaucoup moins de mails, on se parle, on se lève, on va voir l'autre, on travaille ensemble.